Charging bitches.
Now with this here flung in bars, no my Uzi makes your body numb. Bullet holes, bloody clothes, could it be the devil's gun? Hell no, worse than that. Treacherous keys, stepping with the gap. Waiting for a trip to death. Place the whack, I'm feeling death. Murder, murder, red rum, all the same, all in one. So why you do that? Cause to me this shit is fun. Manslaughter. Drop it on, 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 drop
And if any nigga ever try to hit me, I'ma dash just break up the dip. You too busy hating, you can't get no paper while y'all. Yeah.
dot on your target, then you blow this shit out the motherfucker. I'm Joe.
me have to unload my left round. Get on the ground, don't make a damn sound. Please don't make me have to unload my left round. Yeah.
You gotta be.
I stay out here, boy. Salut l'équipe, c'est la fin du 21e épisode du podcast qui marque le retour d'Apron Media Radio après un long moment d'absence. J'ai eu le plaisir d'inviter et de recevoir NGK999 pour un nouveau mix sur le podcast. Donc là, je suis chez lui en direct de Toulouse. Et il est en face de moi, donc NGK, présente-toi aux auditeurs pour ceux qui ne te connaissent pas déjà. Salut à tous, je dis grand coucou à tout le monde, à toute la communauté Apron, à tous les mecs qui kiffent la funk. Et qui connaissent mon nom de près ou de loin, ben c'est NGK999. Je fais de la musique depuis maintenant, on va dire 2016, le top départ vraiment de ma musique. Vous pouvez me trouver dans un délire funk, dans les grandes lignes. Voilà. Donc, grand amoureux de Memphis depuis toujours, avant même de faire de la musique. Et présent sur SoundCloud, c'est là où je suis quasiment le plus présent. Vous pouvez me trouver aussi sur toutes les plateformes légales, tout ce qui est Spotify, Deezer, je suis présent dessus. Et sinon, à part ça, dans les grandes lignes, c'est moi, quoi, voilà. Quelques années dans la funk, donc j'ai vu ce mouvement naître aussi, quoi, donc sans être encore producteur de musique là-dedans, j'étais juste, voilà, simple écouteur. Donc j'ai vu tout ça se mettre en place, évoluer. Pour arriver à ce qu'on est un peu aujourd'hui, la funk de 2023, ce qu'on a envie de parler, toi et moi, de l'évolution de ce mouvement, en parlant un peu aussi de ses origines. Ouais, exactement, aujourd'hui on va parler de funk, un peu des amalgames autour de ça, de l'avenir de la funk, des styles qu'on connaît aujourd'hui, des sous-funk on va dire. Qu'est-ce que tu nous as fait pour parler de l'épisode du jour dans ce mix alors? Ouais, donc j'ai fait un mix qui est comparé au premier qu'on avait fait, où il y avait vraiment un peu des trucs qui étaient même... assez daté, qui avait des années, on va dire, d'ancienneté. C'est des vieux morceaux, mais qui faisaient partie de la funk. Il y avait un peu de tout. Et des vieux morceaux, là, il n'y a pas de vieux morceaux en soi. J'ai vraiment mixé les derniers trucs qui font. Quoi. À quoi, le dernier, on va dire, paysage de la funk à l'heure actuelle, à quoi il ressemble, avec des styles un peu plus dirt. Le mouvement qui est venu un peu, on va dire, pour moi, rendre un peu de noblesse à la funk, entre guillemets. Hein. On est dans la funk, mais voilà, on l'appelle la dirt parce que c'est un peu plus dirt, un peu plus sale, quoi. Tu peux nous faire un petit rappel sur d'où vient la funk à la base? Ah ouais, donc si on doit parler d'une souche de funk, c'est vrai que ça va être assez générique ce que je vais dire, mais
tout, la base du programme, c'est ça vient d'un groupe de rap qui s'appelle Rider Clan, hein, qui était un groupe qui était présent que sur YouTube et qui était dirigé par Space Ghost Purp, SGP. Et en gros, voilà, ce mec a inventé un style de musique qui n'existait pas à l'époque. Hein, c'était vraiment du rap underground avec des productions qui étaient très, très basées sur du Memphis. Il n'y avait pas que ça, ça allait beaucoup plus loin que ça. Et c'est lui qui nous a sorti pour la première fois le terme funk. Et de là, après, ce terme s'est retrouvé à être utilisé par tous les mecs qui faisaient de la musique, qui étaient dans le kiff de ce que faisait Rider Clan. Mais beaucoup de gens qui faisaient Rider Clan. On parle vraiment, après, je pense, quand je dis beaucoup de gens, de gens qui étaient quand même très intéressés sur ce qui se passe sur YouTube. Il fallait vraiment tomber sur ces mecs-là. Ils sont, c'était pas mainstream du tout, quoi, tu vois. Donc, ce mec-là a lancé ce terme et derrière, des productions ont commencé à naître. Et voilà, et la funk est née de la musique de ce mec et de la recherche de ce que c'est que cette funk, c'est-à-dire la musique de Memphis dans les samples vocaux et dans le choix des samples mélodiques aussi. Parce que des fois, Space Ghost Purp, il faisait pas que du pur Memphis, il avait d'autres styles, mais il y avait toujours une touch qui était vraiment underground et qui au final rappelait tout le temps Memphis, qui rappelait vraiment un style de musique presque oublié, underground, cassette. Et voilà, donc quand tu tombes après sur le rap de Memphis, qui n'est fait que sur cassette exclusivement pour sa meilleure partie, en tout cas pour moi, ben tu te rends compte des connexions et c'est ce qui s'est passé à l'époque. Des gens ont commencé après à produire voilà, des sons qui étaient de la Memphis, quoi. La Memphis avec la touche qui existait à l'heure actuelle, c'était l'arrivée de la trap dans le marché. Donc c'était un mélange de trap et de Memphis. La souche de la funk, elle est là. Les DJ Smokey, les Vaudous dont on a parlé tout à l'heure. Avoir, voilà, comme je dis, Vaudouz, V-O-D-U-Z, qui sont des mecs qui étaient déjà là quasiment avant Smokey, si je m'avance pas et je pense pas que je me trompe. Donc des mecs qui faisaient ce qu'on appelait une funk, et mais c'était une funk voilà, qui était trap. De toute façon, la funk à la base est forcément un petit peu trap. Elle est née dans cette période trap du hip-hop, du coup les beatmakers ont mélangé tout ça et ça a créé la funk. Voilà. Et de suite, de toute façon, la funk est devenue très diversifiée dès sa naissance. Il y avait de la funk dans tous les sens et dans tous les styles. Dès le début, peu de temps après sa création, comme je te montrais tout à l'heure, il y a des mecs qui ont commencé à avoir un mouvement très funk lofi qui n'existait pas à son départ. Mais après, il y a eu tout de suite un peu de funk house. Ça a tout de suite existé, ça, puisque la house lofi a toujours existé. Du coup, des mecs ont récupéré des codes de la funk. Ils ont fait de la funk lofi. Tous ces styles très diversifiés, ils ont existé dès le début, quoi. C'est juste qu'après, ils sont tous partis dans leur sens. C'est qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent sur le fait que voilà, la drift funk représenterait la funk, ce qui n'est pas le cas. Pour n'importe quel producteur de funk ou de mec qui connaît cette musique-là, il sait très bien que c'est pas la drift funk qui représente la funk. La funk, c'est pas de la techno ou de l'EDM à ce point-là aussi rythmé, tu vois. C'est l'opposé même. Mais ouais, on voit pas mal de drift funk. Après, c'est vrai que c'est un style. Tu vois, moi, je pense que indirectement, sans m'en rendre compte, je l'ai découvert en diguant des sons pour des vidéos de voitures, etc. Et c'est vrai que c'est un style qu'on retrouve vachement sur des, qui a été très mis en avant visuellement par des caisses, par des mecs qui font du drift, du stance, etc. Et du coup, c'est là que ça devient pertinent, le lien direct avec le podcast et mon domaine d'action, tu vois. C'est clair. Et ouais, donc il y a un amalgame qui se fait vraiment entre le drift funk et la funk pour les néophytes, on va dire. Ben, c'est ça, un nouveau qui arrive. De toute façon, s'il tape le mot funk, malheureusement, au premier abord, c'est la drift funk qui pop, parce qu'aujourd'hui, les algorithmes, toutes les plateformes funk, elles vont te donner ce qui génère le plus de vues. Donc, c'est ce qui a bousillé la funk, on va dire, à l'échelle, au niveau de son image, c'est ça, c'est l'arrivée pour moi de tout ce qui est un peu algorithme dans les plateformes musicales qui font qu'au bout d'un moment, en fait, la plateforme, elle s'en fout de ce qu'est le contenu. Si tu lui affilies un hashtag, les mecs, ils sont pas bêtes aujourd'hui, c'est pas pour rien que tu vois des artistes qui s'appellent Funk Master, ouais, affilié, Funk ouais. Cobel, Funk Drift. En fait, ils mettent le mot funk dans leur blase pour récupérer ce clout-là, cette exposition-là, ouais. Ce référencement-là. Donc du coup, tous ces artistes, on ne va pas leur reprocher, les mecs jouent avec le game tel qu'il doit être joué aujourd'hui si tu veux tirer ton épingle du jeu et être entre guillemets, avoir les chances d'être plus exposé. Ouais, si tu veux pop, t'as pas le choix. Ouais, t'as pas le choix. Et du coup, même des fois, je rigole avec des beatmakers de funk avec qui je suis en connexion. Des fois, on se dit, si on faisait un peu de riff funk, on est incapable parce que c'est pas dans nos codes. Donc, je comprends qu'il y a un côté un peu négatif à voir que la drift funk prend le dessus, on va dire, sur la funk originale, quoi. Même, il y a même tout le truc qui est, on va dire, tout l'amalgame drift funk, c'est Spotify qui l'a amené avec sa playlist qui s'appelait funk, et dedans tu n'avais que de la techno, quoi.
je dis de la techno, pardon, c'est pas le bon terme. Ouais, tu veux dire des instruments. Mais on est vraiment trop sur la techno, on est vraiment sur ce qu'on appelle de la funk TikTok, quoi. C'est la TikTok funk, c'est-à-dire vraiment, il n'y a que ça. Et en fait, cette playlist, elle ne recense que des tracks qui deviennent que de TikTok. Ouais, ouais, clairement. Mais la playlist, elle est intelligente, elle se dit, les mecs, ils écoutent ces morceaux-là sur des plateformes, je vais leur mettre un entier, et ah, c'est de la funk. Du coup, ils se sont repris, ils ont créé un truc qui s'appelle Root of the Funk ou Origin of the Funk, il faut la trouver, elle est, c'est une playlist officielle Spotify, elle existe. Donc dedans, c'est plus légitime. Mais bon, est-ce que pour autant on peut appeler que c'est les racines de la funk? Non, c'est de la funk. La seule chose, c'est qu'il faut admettre qu'il y a de la funk et il y a de la drift. Voilà. Ouais. Et même la plupart des. Même moi, le mot funk sur la drift aujourd'hui, il est, je le trouve extrême. Tu vois, il est... La cobelle, c'est pas non plus que ça, Memphis à la base. Ou juste ouais, la là, funk, c'est juste l'élément qui ressort vraiment. Ouais, ouais. La cobelle, même dans... si tu écoutes du Memphis, oui, la cobelle est présente parce que les mecs à l'époque n'avaient que des machines basiques. Enfin, basique, c'est la façon que je vais dire ça, mais avec des banques de sons qui étaient propres à la machine et la cobelle était présente chez tout le monde, donc il fallait rentabiliser. Ouais, t'avais moins de liberté, ouais. Ouais, tu faisais avec ce que tu avais. Donc oui, tu trouves de la cobelle dans Memphis, comme dans d'autres états des States au même moment. Elle a été vachement bien utilisée dans Memphis, il y a des belles tracks avec ça, mais je veux dire, c'est pas non plus que ça, quoi, tu vois. Mais bon, il y a eu une période où, voilà, où il y a eu ce changement hein, de son, où la drift est arrivée sur le marché, et elle a marché, gros. Elle marche pourquoi? Parce que ça mélange un style que beaucoup plus de gens aiment mainstream, c'est la techno, enfin la techno, tout ce qui est électro. Ouais. Et tu mets quelque chose qui est peu plus dark, qui vient d'un milieu qui n'a rien à voir avec ça, et du coup, j'ai envie de dire, ouais, ça fonctionne, et c'est normal que ça marche. De mélanger les genres, c'est comme ça qu'on en crée de nouveau. Sauf que voilà, maintenant, il y a cet amalgame. C'est comme ça. Ça a évolué. La funk n'est plus ce qu'elle était. Comme aujourd'hui, pour moi, c'est la dirt qui domine en termes d'authenticité, quoi. Les mecs qui font de la dirt, pour moi, c'est ceux qui ont vraiment kiffé la funk à la base, mais qui voilà, se rendent compte qu'elle a vieilli. Si tu respectes ses codes originales, j'admets. Mais donc, du coup, ben, c'est beaucoup plus rythmé. Il y a un côté, je vais dire ça comme ça, presque drum and bass des fois. Beaucoup de kicks, beaucoup de basses courtes. Et c'est, pour moi, c'est ce qui rend les plus belles lettres de, comment on dit, d'or à ce que devrait être un petit peu la funk, quoi. Mais bon, voilà, ça s'appelle de la dirt. Pour ceux qui ne savent pas gratter ce mouvement-là, la dirt, dirt funk, et vous verrez un peu la nouvelle vibe présente dans le mix aussi. Et là, aujourd'hui, les gros producteurs de funk ou les producteurs, on va dire, en train de monter, ils sont où dans le monde? C'est bien d'où ces gars? Je sais pas. Je te dirais... De toute façon, c'est toujours comme d'hab, c'est tellement mondial, tu peux pas titrer un pays. Il y a tout le monde qui est représenté. Il y a forcément un Français qui est représenté là-dedans, il y a forcément un Amerloc, il y a forcément un Brésilien. On va avoir un Brésilien dans l'eau, il y a de très bons, on va avoir des Russes. Donc il va y avoir tout le monde. Donc je te dirais, c'est toujours comme à son départ, c'est mondial comme mouvement. Ouais. Aujourd'hui, si tu parles de, voyez, en essayant de cadrer dans les sous-genres, en dirt, pour moi, aujourd'hui, ceux qui manient la dirt, c'est dans les Français. Les Italiens, bien plus que n'importe qui. On a même pour moi, les meilleurs sont français dans tout ce qui est dirt, dans le mouvement de la dirt. C'est les Frenchies qui dominent pour moi en termes de trucs. Mais voilà. Parce que voilà, sinon dans la funk, c'est toujours pareil, c'est de partout. Tu peux pas, des fois, quand tu es là, tu dis, oh, il est trop bien ce mec, tu vois d'où est-ce qu'il est, il est d'Ukraine, tu vois. Donc qu'est-ce que tu peux dire? Et sa musique, elle marche. Ouais. Donc. Voilà, j'ai envie de te dire, c'est toujours de partout. Ouais, donc c'est bien en place dans le paysage français. Et qu'est-ce qui se fait en France? Tu vois, on voit pas beaucoup de com, il y a des petits mecs, il y a des assos, des artistes. J'ai pas envie de dire qu'il y a rien, parce que c'est pas vrai. Il y a la Fonkerie, ouais. Qui est pour moi le crew le plus. Le crew, c'est pas le bon terme. Le truc qui fait le plus d'événements là-dedans, qui a le plus, on va dire. Là, c'est vraiment la funk, c'est vraiment les codes de la folk française. Ils sont dans tous les styles de funk, ils savent trouver toujours des trucs. C'est très bien, que c'est un super truc. Derrière, je sais pas, je pourrais peut-être même pas t'en nommer d'autres, tu vois, qui font autant qu'eux, qui font des scènes, qui font des events. Non, tu vois, la France, ça reste toujours mou, mais bon, pourquoi? Je pense que ça reste tellement underground aussi. Ça reste toujours agressif dans ces codes, cette musique-là, donc elle peut pas être... Quand elle réussit, c'est quand tu la mélanges à l'électro, quoi, tu vois. Là, la musique marche, parce que t'arrives à... C'est un peu comme les mecs qui sont trop pointilleux dans un style de musique, c'est quand on leur vole leur style et qu'on l'adoucit avec autre chose que ça marche, et bien c'est l'exemple de la drift funk. C'est parce qu'on a mis de l'électro dedans qu'elles se disent « Ah, mais là, c'est écoutable, en fait, cette funk. Ouais. » Oui, effectivement, tu vois, la funk de base, c'est... Tu peux pas faire écouter ça à n'importe qui est pas forcément dans le délire du hip-hop, il va dire « Qu'est-ce que c'est que ce truc, hein ?» Ouais, tu perds le côté underground, par contre, ouais. Ouais, mais tu perds l'underground, ouais. Voilà. Donc c'est
la France reste active, mais je dirais, on a de très bons producteurs maintenant, des organismes. Mais est-ce que maintenant, il y a beaucoup d'organisations, genre la Funky, il y en a au States, il y a plein de choses qui existent, des trucs comme Doom Shop, 6-7, mais est-ce que vraiment, ils font des tournées, il y a des shows et tout, mais je sais pas jusqu'à quel point, si tu veux, c'est rentable, jusqu'à quel point tu récupères une communauté quand tu organises tout ce que tu mets là, ça reste des petits trucs, tu vois. Donc, à mon avis, c'est pas facile de se lancer là-dedans. Même de se dire, allez, on va faire de l'event funk en France, tu dois quand même avoir un peu de questionnement sur. Ouais, il faut réunir. Réussir à cibler et à réunir, parce que ouais, ça reste. Mettre tout le monde au même endroit, c'est des auditeurs partout dans le monde. Si en France, tu arrives à les isoler, à les capter. C'est ça. Même si grâce maintenant avec Insta et tout, ils arrivent à avoir des communautés ciblées. Ouais, tu vois, tu arrives à faire des trucs, tu arrives à développer des gens qui vont revenir. Ouais, mais tu sais que ça met vachement de temps. Quoi. Mais ça met du temps. Ouais. C'est pour ça que c'est difficile de dire, ouais, la Funky, ça fait un moment qu'ils sont là, mais c'est une perpétuelle évolution. Pour moi, ce que j'en vois en tant que juste spectateur, tu vois. D'ailleurs, ils vont sortir normalement, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est courant de cette année ou l'année prochaine, nouvelle EP. Je sais que j'apparais dessus, si rien n'a changé. Et qui va être disponible en vinyle, cassette, CD, tu vois. Donc c'est pareil, ils font toujours des trucs super propres. Ils sont vraiment dans le culte de la funk, sur tout ce qui existe. Il n'y a pas de discernement funk, OG, Dirt, non, ils sont sur tous les trucs. C'est de la funk. Ouais, c'est ce qui fait que c'est respectable, moi, je trouve, sur le fait que, ouais, tu vas peut-être dire, il y en a pour tout le monde. Ils font des mix, tout ça, ils ont une page SoundCloud, t'as plein de trucs à aller checker. Quoi. Et toi, tu le vois comment un peu l'avenir, pas forcément que de la funk, mais des styles qui montent ou des styles qu'on a déjà connus mais qui vont revenir un peu dans le truc. Comment tu le vois Pour moi, la chose qui est indéniable, c'est que là, on est revenu, pour moi, on oublie la drift funk, pour moi, qui n'est pas de la funk à proprement dit, voilà, qui est un truc vraiment très parallèle. On est trop dans l'électronique pour la comparer, mais dans tout le reste qui est la funk, c'est-à-dire tout ce qui va ressembler un peu à du son qui vient d'une cassette, à des sons qui sont beaucoup plus. Qui vont quand même dans le délire cassette, mais avec vraiment des codes de maintenant, c'est très rythmé et compagnie, ça va être la dirt. Tu vas voir ceux qui n'ont pas du tout de sonorité cassette, qui sont sur des sons HD. Qui vont pas forcément sampler que des samples de Memphis vocaux, qui vont aller chercher, je vais dire ça, DaBaby, n'importe quel vocal qui leur plaît, et ça reste de la funk. Donc c'est très large, mais celui qui est revenu pour moi le plus à la mode sur les deux dernières années, c'est la vraie funk originale cassette, quoi. Cette sonorité vraiment abîmée, qui a toujours été là, qui a toujours fait kiffer un public, mais on a eu des acteurs qui ont fait revenir ça. Et la dirt, c'est le truc numéro un pour moi qui a. Les mecs font des sons avec, ouais, le son il est abîmé. Et donc du coup, t'es clairement dans un. Ça me fait penser à des sons que j'écoutais il y avait 2-3 ans. Je me disais, ah putain, c'est fort, ils sont en train de faire ça. Et là, je vois que maintenant, c'est ce qui marche le mieux. Quoi. En tout cas, il faut aller checker les Français qui le font. Il y a Evil, il y a Holy Main. Je vais dire qu'eux, parce que pour moi, je les croise des fois. Et ce qu'ils font, c'est carré de dingue. Donc je conseille vraiment de gratter par eux. De là, ils ont plein de collabs avec tous les bons gars du moment. Français, pas français. Là-dessus, ils sont forts. Voilà, bien. Tu parlais tout à l'heure de cassette, là, du coup, on a vu ensemble. On va sortir cet épisode sans l'interview, juste la partie mix en série limitée de 10 cassettes donc, qui vont être faites dans ton atelier. C'est ça. Atelier au 599. 599. C'est ça, ça sera fait ici. De toute façon, je fais des cassettes depuis un petit moment. Et j'ai l'optique de faire des cassettes dans un côté très. Fait maison. Bon, après, de toute façon, c'est un rendu un peu cassé tout à fait normal. Hein. On est dans un super produit. Et voilà. Donc, on va faire ça ensemble. Tout à fait, on va se mettre ce mix sur cassette qui sera disponible chez Apromedia. Carrément. Ouais, ça c'est bien. Je suis content de t'avoir sur le podcast pour le retour parce que ça, c'était quand même le premier épisode de funk et qui a débouché sur d'autres épisodes funk qui m'en a fait apprendre pas mal à ce sujet. Et ouais, le concept de la cassette, c'est des trucs qui me plaisent pas mal. J'aime bien toutes ces petites pièces un peu de collègues ou quoi. Donc le truc qui est top en plus, c'est que tu m'as dit que c'était toi qui t'en occupais, que tu faisais tout chez toi. Et, tout à fait. Un bel artisan NGK. Ah, l'artisan du pays, quoi. Du pays. Le sud-ouest, hein, c'est dans le sang, apparemment. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi sur tout ce mouvement? Parce que bon, voilà, on est tranquille à la maison, il fait beau aujourd'hui en plus. Mais on veut pas passer non plus des heures à répéter des choses qui sont déjà répétées sur plein de vidéos. D'ailleurs, j'ai donné des liens de vidéos à Prod pour qu'ils les mettent, qu'ils parlent de ça, qu'ils traitent un peu de ça aussi, qu'ils répètent ce que j'ai dit, même si moi bon, après je donne plus ma vision du truc à moi.
Mais ouais, voilà. Sinon, voilà, la funk est toujours un super mouvement musical qui est, je sais pas comment expliquer ça, mais qui est tellement actif. Il y a trop de musique qui sort tous les jours, quotidiennement, des artistes qui naissent. Je sais pas si un jour on devrait calculer, s'il y a une analyse qui serait faisable avec les statistiques de SoundCloud, savoir combien d'artistes qui ont généré de la funk sont créés en une année, mais je pense que c'est le mouvement qui en a le plus. Parce que ça a une facilité d'approche pour beaucoup, qui est même inexplicable, gros, parce que on a tous eu envie, la plupart qui ont fait de la funk, de faire du beatmaking, mais à l'époque où il n'y avait pas de funk, ben, ça nous paraissait ben, pas bien, ou pas bien, mais pas soit trop difficile, soit au final, ouais, c'est pas mon truc. Mais il a fallu que la funk apporte des codes qui n'ont rien à voir, et tu te dis, putain, moi aussi, je peux le faire, quoi. Et vraiment, c'est fou, quoi, de dire qu'aujourd'hui, le truc, pour moi, n'est pas mort du tout. Ce qui est dommage, c'est que la plateforme qu'il génère, c'est SoundCloud, et la plateforme, elle a changé. Hein, elle est devenue un peu plus payante, de la publicité, donc il y a une activité qui est moindre. Donc maintenant, la plupart des producteurs, ils sont tous sur Spotify, on est tous passés dessus. C'est devenu aussi beaucoup plus simple de poster là-dessus, du coup, on nous trouve sur les deux, mais c'est SoundCloud quand même la plateforme numéro un. Si tu veux kiffer la funk et être vraiment dans la funk, c'est SoundCloud. Ouais, c'est un nid de pépite. Ouais. Là, tu trouves tout le temps des petits gars avec des gars qui ont 30 abonnés. Moi, je me nourris que de ça. Je me nourris que de ça. Je me nourris que des mecs qui ont 300. Enfin, j'ai dit 300. Je m'en fous, en fait. Je n'ai jamais rien à faire. De toute façon, ils sont proposés. C'est pas un algorithme d'une plateforme classique, quoi. C'est clair. Et je dois avouer une chose, c'est que l'algo de SoundCloud fait bien le travail pour te proposer des choses qui sont similaires. Mais vraiment, il y a un moment où tu te dis, putain, c'est fou. Alors, des fois, tu fais du random, tu t'écoutes comme ça un peu par hasard. Ouais. Et en une heure, quand tu te dis, j'écoutais que des trucs que j'ai kiffé. Ouais, c'est ça, c'est hallucinant. Tu remets sur ton historique, c'est de voir les gars, tu te dis, putain, mais attends, le mec, il a 450 vues sur 100. Et je pense que je suis pas du milieu électro, je suis pas du milieu hip-hop à proprement dit. Donc je sais pas si ça existe autant. Je sais qu'il y a beaucoup de beatmakers dans tous les milieux, ou beaucoup de producteurs dans tous les milieux. Mais vraiment la funk, je sais pas, c'est pas pour rien de façon que ça a été reconnu comme un mouvement qui a explosé, qui est apparu sur Spotify. Il y a plein d'autres mouvements qui sont underground que de la funk, qui sont pas exposés comme la funk. Donc il y a bien, de toute façon maintenant avec tout ce délire de playlist et compagnie, funk, pour bien étudier, pour se détendre, chiller. C'est le truc qui a été instrumentalisé, c'est un médicament, quoi. Ouais, clairement. Et puis visuellement, t'as tout le temps des trucs qui se font autour de ça, c'est utilisé pour tout, franchement. Ouais, non, clairement. Ouais, c'est un style facile de s'approprier, quoi. Ouais, on en parlait tout à l'heure, j'ai regardé M6, je te disais, et j'ai entendu une track funk. Et on n'était pas en plus sur de la TikTok funk débile, c'était une track funk. Il y avait le snare de la funk, enfin, il y avait tous les codes de la funk. Je me suis dit, ah putain, le petit stagiaire qui a dû faire le montage. C'est fait plaisir. C'est fait plaisir, c'est obligé. Et ça passait très bien, de toute façon. Maintenant, moi, je ne suis pas TikTok du tout, mais parce que je trouve que c'est une application cancer, mais quand je vais dessus pour des conneries qu'on m'envoie, et des fois, je scroll 4 fois et que je me retrouve en train de la cobel funk. Moi, j'appelle ça de la cobel funk. Dès qu'il y a de la cobel, qu'est-ce que tu veux appeler ça comment? Il n'y a que ça. Tout est fait sur ça. Et du coup, je regarde et je dis, putain, mais c'est partout, quoi. C'est partout. Et c'est ce qui fait qu'il y a, vu que ça génère de l'argent, eh bien, tu amènes des gens qui viennent produire de la musique, pas avec la même optique que d'autres, c'est-à-dire c'est pour ça que je le dis toujours, je ne dis pas qu'aujourd'hui il n'y a pas de nouveaux artistes qui sont pas bien, mais c'est facile de voir l'artiste qui débarque avec une envie de faire une musique qui lui est propre, et d'autres qui débarquent en faisant quelque chose qui est déjà présent. C'est normal de commencer à tâtons dans la production, et puis SoundCloud pour moi c'est fait pour ça, même si tu n'as pas le niveau d'être un bon, tu as le droit de dropper ce que tu veux. Au bout, il est là. Ouais. Et c'est grâce à ça, de toute façon, même moi je trouve des gars, je dis putain, heureusement qu'il a fait son, ce mec, il a refait ma journée, tu vois, bon, ma semaine. Et si c'est pas plus, il faut oser, quoi, le dropper des trucs dans tous les sens. Je sais pas, c'est fou de se dire là, les gens vivent de la funk, il y a des Russes qui vivent de ça, gros. Ils ont ils gagnent de l'argent de cette musique en faisant des choses qui sont déjà vues. Ouais, c'est drift funk qui a amené un peu, si tu veux, de la monétisation et une exposition très friquée, tu veux, de tout ça. Tous les gens, ils se sont dit, ah ouais, il fait autant de millions de vues sur Spotify. Tu te dis, c'est fou. Ouais, ouais. Alors que la track sur SoundCloud, elle n'en génère pas autant. Elle en a généré, mais pas autant. Mais c'est parce que ça a été pris par les bonnes plateformes, par TikTok, et c'est TikTok, tout ça. TikTok a généré. Bah ouais, mais c'est là même, tu vois, que tous ceux qui en écoutent sont pas des utilisateurs SoundCloud, parce que sur YouTube, t'as des vues différentes. Exactement. Sur chaque support. Ah ouais. Tu vois que tu tapes pas les mêmes personnes, quoi. Non. Non, non, non. Et puis c'est comme c'est une tendance. Même là, en ce moment, la tendance est très dirt sur SoundCloud pour moi.
de ma vision de, du funk game, tu vois. Si t'es pas dans ces codes-là, c'est vrai que tu marches moins bien. Mais bon, voilà, c'est pas pour autant qu'il faut, pas faire ce que t'as envie de faire. Mais c'est souvent ça le dilemme, c'est est-ce que je devrais pas un peu faire ce qui marche pour pouvoir être un peu plus proposé par l'algorithme, parce que c'est ça. C'est une question d'algorithme. Et est-ce que c'est reprochable aux gens de dire « Ah, regarde, il fait que des trucs pour… » Ouais, mais si tu fais pas ça des fois, tu peux pas voir. Je pense que tu comprends, t'as envie de monter, de percer. T'as après... envie d'être vu. T'es à ce stade, tu arrives à percer, après tu retournes dans tes trucs, t'arrives à... ça te donne une notoriété. Clairement. Après, bon, c'est des chemins que t'as envie de prendre ou de pas prendre, quand même. Ah, c'est toute question aussi de quelle est ta notoriété musicale. Est-ce que tu veux être là-dedans pour devenir quelqu'un? Même si devenir quelqu'un dans la musique, au vu du nombre d'artistes qui poussent tous les jours, d'évolution des mouvements et compagnie, c'est dur en tout cas, c'est dur de devenir un artiste et de persister. Surtout quand il y a déjà des mecs qui sont là, mais il y a forcément de la place pour tout le monde, mais c'est ça, c'est jouer la carte de l'algorithme, c'est jouer la carte des playlists sur Spotify, il y a plein de choses à jouer maintenant, alors qu'avant la funk était un peu plus authentique, les gars droppaient, l'algorithme SoundCloud était déjà bien, mais c'est pas le pire on va dire, mais il n'y avait pas encore Spotify qui était là pour dire « Ouais c'est bien ce que tu fais sur SoundCloud, mais chez moi si tu fais ça, tu seras vu et en plus tu auras de l'argent pour ça ». Donc, si tu veux, c'est ce qui amène des changements de tendance ou des créations de tendance. Voilà, pour moi, la drift, c'est la version commerciale de la funk. Et de toute façon, si tous les beatmakers ragent dès que tu vois des gars parler de funk et qu'ils te mettent de la drift funk dessus, t'as plein de contenu comme ça, TikTok, qu'est-ce que c'est la funk? Je vous explique en trois mots, tu vois. D'abord, c'est des cobelles. Tu dis, et les gars, dans les commentaires, ils se sont tirés dessus. Ah, espèce d'enfoiré, c'est pas ça de la funk. Ouais, t'as la vision producteur et le mec premier écoute. Parce que la funk, à l'origine, c'est tellement un mouvement qui est underground, qui est pas dans le côté... là, c'est un truc qui est fait pour se faire voir, comme toute musique, ou écouter plutôt, mais il y a vraiment ce délire un peu underground, et là, les gars l'utilisent vraiment sur un côté très commercial, quoi. C'est une évolution qui n'était pas prévue, je pense, par beaucoup de monde. La drift funk, quand elle est arrivée, je pense que personne ne s'est dit que ça va devenir... parce qu'elle a mis du temps, hein, quand tu veux ou non, on l'a tous vu, on l'a tous entendu, on a tous dit « Ah putain, il y a de la funk techno remplie de cobelles ». Et tu te dis « Putain, et 2 ans après que c'est créé, tu te dis « Attends, mais là, je me rends compte que c'est de plus en plus partout. » Et puis là, tu te dis « Ah putain, mais tout le monde croit que c'est ça de la funk. » Et puis tu le vois dans des commentaires, tu vois des gens qui vont te mettre sur la drift funk. « J'aime la funk. » Tu vois, et c'est quelque part, oui, ben, aime la funk quelque part, autant qu'il se fasse plaisir. Mais voilà, pour un, même pas un puriste, pour des gens qui connaissent un peu les grandes lignes, tu dis « Mais non, c'est pas ça, gars. Non, on n'est pas du tout. » Bah ouais, mais après, c'est le problème, c'est que qu'est-ce que tu veux mettre comme nom là-dessus si t'as pas au moins une petite racine qui... J'appelle ça de la drift. J'ai même pas le mot funk là-dessus. Bah ouais, mais tu vois, de la drift, c'est... Ouais, mais c'est de la funk, c'est pas mieux, gros. En termes de sonorité de mots, c'est un mot comme un autre. De la drift, tu sais, il y a même un autre truc qui est là qui s'appelle la P-honk, gros. C'est un mouvement, c'est P, putain, je vais pas dire de bêtises, P-E-E-H-O-N-K, ça vient d'un live qui a été fait sur, je crois sur Insta, où t'as un beatmaker qui est là, je sais pas ce qu'il fait, un américain, et dans les commentaires, t'as des gars qui lui disent, est-ce que tu connais la funk? Et le mec, il lit le mot, il dit, je sais pas ce que, I don't know what is P-honk. Ok. Et de là, tout le monde l'a pris comme tu charries le mouvement après sans le savoir, et du coup, t'as une funk ultra parodique, gros. C'est des rythmiques très parodiques, des mélodies genre Owimboé qui est samplé en truc. Et c'est petit, c'est comme une niche, mais ça me fait rigoler parce que ça vient de rien du tout. Et la P-Honk est un hashtag qui existe sur SoundCloud. Et des fois, t'as de la très bonne P-Honk, malgré qu'elle soit un peu parodique. Tu vas avoir des vocales, tu sais, typiques de Trump qui disent « Ah, ben, qui gueule, tu vois. Et puis d'un coup, t'as des drops et ça part. La P-Honk, gros. Et qu'est-ce qui va arriver d'autre, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est énormissime. Tout ça parce que le mec a pas su lire le mot funk. Il a dit le P, il a séparé, il a dit funk. Il dit, what is P-Honk? Et de là, dans les commentaires, les gars, quoi? Tu sais même pas ce que c'est. Les gars se foutent de sa gueule. Nol, il sait pas ce que c'est que de la funk. Ça se dit pas comme ça et tout. Et puis voilà, P-Honk. Et t'as une page Insta qui est sympa, là, mais qui recense tous les artistes et qui met, c'est fou. Bon, après, voilà, c'est éphémère, mais c'est... Ouais, mais dire, tu vois, à partir d'un délire, t'arrives à faire un truc. C'est tellement lié à Internet, ce mouvement musical, c'est-à-dire à Internet dans tous ces niveaux de YouTube qu'il a créé avec Space Ghost Purp. Si on a écouté Memphis, c'est grâce à YouTube. YouTube, c'est la naissance de tout le sampling, hein, pour nous, les producteurs New Age qui font pas de vinyle et compagnie. C'est là qu'on digue, et c'est YouTube qui nous a apporté tout le sampling pour le faire. Voilà.
pour faire de la musique. Donc du coup, on est dépendant en fait de d'Internet. Il a fallu que des gens uploadent des choses pour qu'on puisse y avoir accès. Donc qu'on le veuille ou non, des fois, en ce moment, tu as une grosse tendance pour qui est des pages qui uploadent des vinyles d'époque, tu sais, des années 60, 70, français, espagnol, italien, allemand, de musique qui va être... C'est du synthé, c'est la synthé, ouais. La vague synthé des années 60, 70 qui n'a pas marché, hein, à l'échelle mondiale. Parce qu'à l'époque, c'était moqué comme étant une musique électronique, sans valeur, sans âme. Hein. Il y a quand même James Hammer, là, je ne sais plus qui. Hammer, c'est son nom de famille, le mec qui a fait la meilleure musique électro des années 80, tu sais, genre de Flic à Miami ou ces trucs comme là, qui est un boss de ça, qui a quasiment inventé tout ce qui est musique numérique en termes de logiciel, de façon de la travailler. Ben bon, aux États-Unis, il a marché, lui, mais nous, de notre côté, cette musique qui était vraiment de la synthé musique a été vraiment affichée comme étant nullissime. Et nous, maintenant, on digue ça. Et il y a toute une nouvelle mode là, sur YouTube, des chaînes qui uploadent des centaines de vinyles de mecs inconnus. Mais vraiment, de mecs inconnus, voilà. 76, 81, des dates comme ça. Et de suite, t'as du sample à récupérer, t'as du sample à chercher. Et ça, tu vois, que c'est quelque part, c'est dû grâce à Internet. Si il n'y avait pas une vague, parce qu'il n'y a pas que nous, les beatmakers, qui avons digué ça, il y a des gens qui viennent l'écouter. Il y a plus de gens qui viennent écouter la musique que la sampler. Tu le vois dans les commentaires. Et du coup, tu dis, c'est parce qu'il y a cette tendance-là qu'on arrive à avoir ces sonorités-là. Donc, la funk, c'est tellement Internet. Ouais, beaucoup plus que la New York, qui vient d'une époque où il n'y avait pas d'Internet. Tu vois, on vient du sampling vinyle brut d'une époque. Enfin, c'est une autre époque du rap. La funk, c'est vraiment le mouvement, je trouve, voilà, la cloud musique, tu vois, cloud rap. Tu peux te nourrir de tout ce que tu entends. Exactement, il n'y a pas de limite. Tu peux sampler un truc du jeu vidéo comme une publicité des années 80 parce qu'il y a un moment, il y a 4 secondes de mélodie que t'aimes. Tu vois ? Oui, carrément. C'est pour ça que ça ne cessera jamais d'évoluer. Ça s'accrochera à chaque nouveauté qui arrive, tu vois, chaque nouveau mouvement de rap mainstream, tu vois, comme là, la Détroit qui s'est impliquée dans la funk aussi. Tout ça, voilà, mais ça sera matière à la faire évoluer. C'est de l'évolution. Voilà, il y a la passe techno, et la techno sera toujours présente, c'est un mouvement qui est fait par l'humain en général. Donc, du coup, il y aura de l'électro toujours, il y aura toujours de la drift funk, je pense. Ouais, c'est bien. Après, c'est de voir ça évoluer. Hein. Ouais. Ouais. Parce que là, déjà, en un an, il s'est passé pas mal de choses. Hein. Qu'est-ce que. Oui, oui. Bah, déjà, ça, tu vois, il y a un an, là, ouais, allez, on va dire qu'il y a 2-3 ans, la drift funk. Tu commences à l'entendre, mais il n'y avait pas ce gros nom dessus. Là, t'as les vidéos qui durent 3 heures sur YouTube, ouais, avec des compiles de drift funk. Il y a plein de choses comme ça. Clairement. C'est pour ça que quand on parlait de cet amalgame-là, l'amalgame, il est réel. Pour moi, la drift funk, les gens sont perdus entre drift funk, funk. Je pense même qu'il y a des gens qui ont découvert la funk en étant tellement électro que quand tu leur dis ça de la funk, ils disent n'importe quoi. C'est, ouais, mecs, ouais. Ah bah ouais, c'est sûr, t'en as compte d'autres visions. Bien sûr, parce que ces acteurs de la drift funk, ça reste des mecs qui, à la base, la plupart du temps, faisaient quelque chose qui était très Memphis. Juste qu'ils ont. Je t'explique, je le sais, puisque on les a tous vus, ceux qui sont un peu de. Pas de mon époque, mais juste qui sont présents sur SoundCloud, il n'y a pas d'époque, mais y avoir été présent. Les mecs faisaient de la musique Memphis très trash. Et dès qu'ils ont commencé à mettre ses cobelles, comme tu dis, paf, ça apparaît sur des vidéos où ça fait des freins à main, voilà, où ça drift, tout ça. Toute la culture arrive là-dedans, tout se mélange et ça crée de la vue. Le mec, il fait son truc de base, ça fait des vues normales, il fait une version électro de son et il dit putain, les gens adorent. Ouais, mais c'est qu'en plus, tu vois, je pense que la communauté bagnole, il a retrouvé une sonorité, bah du coup, qui est pas, tu vois, mais japonaise, tu vois, ce délire Tokyo Drift, tu vois, même si dans Tokyo Drift, on n'a pas cette bande-son du tout, mais. Bien sûr. Mais ce délire-là. À attendre, je parie, pas savoir. Ouais, peut-être. Dans un prochain Fast and Furious, qu'est-ce qu'on attend que ça va pas attaquer avec de la grosse griffon ça va attaquer comme ça, et ça sera dans le thème. Toutes ces générations-là qui kiffent ça, va dire, ça va même pas les choquer, ils vont dire, bah ouais, normal qu'il y ait de la drift dans le film quand même. Ah bah quand même, ils ont compris, tu vois. Ouais, ils ont compris. C'est pas impossible. Hein. C'est pour ça que je dis, ça se raccroche à tout, et voilà, il faut la regarder évoluer, il faut juste accepter qu'il y a rien de vieillot en fait. Moi je vois, j'écoute des mecs là, il y en a un, il me fait kiffer, peu importe son blaze, le gars il a 170 abonnés, et il fait une funk qui me rappelle, c'est du DJ Smokey, je dirais, sur ses 2-3 premières années de production, c'est basique au possible. C'est très clean comme son, mais putain, ça me fait kiffer et je reconnais, c'est vraiment OG. Est-ce que pour autant on peut dire que c'est vieux? Non, ouais. Parce que ça sort maintenant. Autant quand t'écoutes du vieux Smokey, ça s'est mal vieilli des fois, mais là aujourd'hui c'est des codes repris, donc ça vit pas quoi. C'est... Comme tous les mouvements qui sont liés au hip-hop, ils vieillissent très bien. Ouais, il y a que la variété qui vieillit mal. Ça c'est vrai. Bon, en tout cas, ouais, on n'aura pas de variété sur le podcast, on est sauvé de ce côté-là, gros. Bon, NJK, merci à toi en tout cas pour tout ça. Merci à toi aussi. Ça fait plaisir.
N'hésitez pas à suivre NGK sur les réseaux, NGK999 sur Instagram, sur SoundCloud, tout ça. Écoutez ça, suivez le bail. Et puis merci à tous. NGK, un petit mot. Ouais, un petit mot. Grosse dédicace à mon collectif, la Hotline. Tous les mecs qui sont dedans. À mes filles, à ma femme et à tous ceux qui m'écoutent, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gars qui me suivent. C'est très agréable. Je vous remercie à tous à travers le monde. Bisous et à bientôt sur le cloud.